Salut les fans du bocal, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo où je vais vous montrer quelques astuces pour vous faciliter un petit peu la vie. Voici un CO2 qui est bien encrassé et bien vert, qui a des algues dessus, et je vais vous montrer comment on va nettoyer tout ça. Premières astuces, let's go. Alors on va couper le CO2 et on va enlever le diffuseur. Voilà.
Voilà, vous avez vu, j'ai enlevé pas mal des algues. On va continuer. Alors, vous pouvez mettre dessus et vous gratter. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Et ça s'accroche. Tenez. Ça s'accroche bien. Voilà. Sinon, on l'entoure. On fait 2-3 ronds. Obtient pas mal de zag. Voilà. Voilà tous les zags que j'ai enlevés, les filamenteuses. Voilà, ça c'est parce que j'ai laissé exprès l'éclairage pendant 10 heures. Voilà, 10 heures pendant 4 jours, je crois 4 jours, oui, 4 jours. Donc ça fait ça. Voilà. Il y en a pas mal. Il y a une autre astuce où beaucoup d'aquascapeurs confirmés utilisent tous les jours pour éviter des traces sur les bacs. C'est-à-dire que tous les jours, vous passez là avec le doigt, vous faites ça. Pour éviter que ça fasse des traces, surtout que si votre bac il est en eau robinet, parce que l'eau robinet il y a beaucoup de tartre et de calcaire, donc à la longue on le voit les traits sur votre bac. Donc pour éviter cela, tous les jours quand vous passez devant votre bac, vous faites ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et cliquez ici si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a un petit logo pour vous abonner. À bientôt les fadas du bocal. Ciao, 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 ciao.